société. Selon une récente étude de l'INSEE, on note depuis 2 ans une forte augmentation des divorces dans les foyers. En effet, plus d'un couple sur deux se sépare chaque année en France. Le bandeau d'infos qui défile, qui m'ouvre à bien d'autres chagrins et qui rend le mien moins facile. Marion, comme vous le voyez, je me trouve face à l'agence du Crédit Agricole où depuis hier, en fin d'après-midi, une prise d'otage a eu lieu. Nous n'avons pas vraiment de nouvelles sur ce qui se passe à l'intérieur de la banque, mais d'après les policiers présents sur place, il y aurait dans l'établissement 5 clients et 7 membres du personnel. Le forcené agirait seul et son identité est encore inconnue. On ne sait pas si des tractations sont en cours, en tout cas la foule de badauds se presse ici et croyez-moi, la tension est palpable. Oh, attendez, il semblerait que... Mais oui, deux personnes sont sorties. Et incroyable, mais c'est apparemment un otage qui aurait maîtrisé le forcené, Marion, qui est à présent et maîtrisé lui-même par les forces de l'ordre. Je vous le répète une dernière fois, c'est une personne présente dans la banque, apparemment, qui a réussi à déjouer la prise d'otage. Nous attendons sur place pour plus d'informations. En duplex de mon salon, je voudrais intervenir, rétablir notre liaison, en direct reconquérir. Je n'étais plus d'actualité, je n'avais pas de flash speed.